Chers amis ménagères, vous pouvez être fiers, on a pensé à vous. Vos enfants, vos époux, fini les réserves, fini les conserves, et fini le hachis, et fini le gâchis. Des recettes de dessert. J'essaie une nouvelle formule pour mes vidéos. J'espère que tu vois bien et que tu m'entends bien. Écris-moi là en commentaire si c'est le cas. Donc, aujourd'hui, super énervée, la super merveilleuse Marie-Pierre me fait faire un gâteau fondant chocolat moelleux dans le micro-grill parce que j'ai enfin reçu mon ring pro pour mettre dans mon micro pro grill. Et ensuite, on va faire des biscuits pour Pâques. C'est excitant tout ça. Et ça a l'air vraiment simple. OK, on y va. Oh, on va essayer de ne pas faire de dégâts, mais on utilise vraiment beaucoup, beaucoup d'ingrédients aujourd'hui. Alors, ça se pourrait que j'en aille partout. Donc, pour commencer, on va commencer avec le gâteau au four micro-ondes. Pour ça, j'ai besoin de 100 g de beurre et de à peu près 35 g de chocolat. Mais moi, j'en ai mis un petit peu plus. Et là, je vous montre, regarde, je l'ai mis là-dedans. Il va falloir que je le fasse ramollir, d'accord? Alors, je l'ai mis dans mes tasses à mesurer. Ce que j'aime de ces tasses à mesurer-là, c'est que celui-là, c'est une tasse. Celui-là, c'est deux tasses. Et quand on veut les mettre au four micro-ondes, on a juste à mettre la deuxième tasse par-dessus, ça nous sert de couvercle. Donc, on va le mettre au four micro-ondes pour environ une minute. Je suis là! Me voilà! Je n'étais pas partie très loin. Ensuite, OK. Après ça, ça va prendre deux œufs, 100 g de sucre, 100 g de farine. Et là, j'ai ma petite recette, là, ma Pierre va tout préparer ça. Je dois mélanger le chocolat et le beurre fondu et ajouter le sucre. Alors, mon sucre, il est là, dans mon super garde-ingrédients. Et ça, ça va être 100 g de sucre. 100 g pour 100 ml. Et ça, ici, ça, c'est une tasse. OK. Je vais attendre d'avoir mon sucre et ça sent bien. Il reste que 15 secondes et ça a l'air vraiment bon. Je vais me prendre une cuillère pour mélanger. Juste une petite cuillère comme ça. Et ici, je vais m'en sortir une. Quand c'est les enfants qui rangent de la vaisselle, des fois on cherche et on ne trouve pas. Mais voilà. Oh, c'est plus que ramolli. C'est même fondu. Donc, voilà. Je vais le mettre dans mon bol ici. Oh! Je vais aller chercher mon chocolat. Ça sent bon dans la cuisine. Oh là là! Est-ce que tu le sens jusque chez toi? Ça sent pas le citron, ça sent le chocolat. Ben non, on lèche pas. On lèche pas. OK. Bon, parfait. C'est parfait. Donc là, si... Ouais, je voulais juste voir 100 grammes. OK, je vais mélanger ça. On mélange comme il faut. Super. Je pourrais prendre aussi, idéalement, là, ça irait encore mieux avec mon fouet. Comme ça. Merveilleux. Ensuite, on
on avait dit 100 grammes de sucre. C'est bien ça? Oui, 100 grammes de sucre. Alors, on va y aller pour 100 grammes de sucre. Je vais prendre une petite cuillère pour me le mettre dedans. Ah, c'est bon ça, ça marche bien. OK, ensuite, on va venir le mettre dans notre mélange. On va continuer à mélanger. Ensuite, il faut ajouter nos deux œufs, un à la fois. Ça donne bien parce que je ne serais pas capable de faire les deux en même temps, je pense. On continue! On essaye qu'il n'y ait pas des cailles d'œufs dedans. Oh là là! On mélange. Bon, ça commence à être plus consistant là, comme mélange. Mon œuf, il ne voulait pas casser. Le jaune. C'est beau, le jaune, hein? OK, on va venir faire le deuxième. Le voilà. Oh, je l'ai cassé vraiment très fort. Je suis forte. Comme ça. On mélange encore. Vous entendez toujours mon plancher craquer. C'est merveilleux. On a, je ne sais pas si tu vois, une consistance. Oh, je ne veux pas faire de dégâts. Je pense que je vais baisser un petit peu ça comme ça. Regarde, la consistance. Voilà. Ça ressemble presque à du caramel. Ensuite, il faut ajouter la farine. Donc, on rajoute un 100 g de farine que j'ai aussi dans un garde-ingrédients. Et on y va. Un 100 g de farine. On vérifie, est sûr que c'est de la farine, mais c'est bien ce qui est écrit sur mon garde-ingrédients. Ce qui est fun avec le garde-ingrédients, ce que j'aime, moi, c'est que je peux écrire avec mon Sharpie dessus, puis après ça, ça s'efface. Avec un petit peu de désinfectant, ça s'efface très bien. Mais j'écris aussi avec mes... j'aime ça, j'ai un... comment que ça s'appelle déjà? Tu sais, les petits collants comme ça, là, qu'on écrit... J'ai ça, moi j'aime bien, ça, écrire ça. Comme ça, même si on a des petites fenêtres, là, on a des petites fenêtres pour voir c'est quoi qu'il y a dedans. Mais des fois, quand que tout est blanc, c'est pas évident de faire la différence. Alors, tu voudrais pas mettre du sel au lieu du sucre. On mélange. Ensuite, un coup que j'ai ajouté la farine, ils disent de mettre, on dirait que je ne suis pas tout à fait certaine de ma recette à suivre, hein? on l'essaie. Donc là, je viens le mettre dans le rond, dans mon ring pro. Alors voilà. Et voilà, et là on vient licher comme il faut. Ah oui. Je l'aime beaucoup, cette spatule-là. Il n'en reste plus après dans le bol. Tellement ça liche bien. Comme ça. Voilà. Pas de gaspillage ici, madame. OK. Donc là, tout est là. Est-ce que tu vois? Moi, je ne veux pas non plus trop le pencher. Ça coule à côté. Oh là là! Je m'en vais mettre le couvercle sur le côté, pas pour griller, là, vraiment le côté juste pour cuire. Et voilà, on le met 12 minutes au four micro-ondes. Puis après ça, on attend un autre 5 minutes avant de le démouler. Puis pendant ces 5 minutes-là, il continue à cuire un petit peu vu que le micro-grill est vraiment très, très chaud. Alors pendant ce temps-là, je vais le mettre là. On le met là-dedans. 12 minutes. Et voilà! Pendant ce temps-là, je vais laver un petit peu, puis après ça, on se revoit pour faire nos biscuits!
Allô! Je suis là avec toi pour faire des biscuits de Pâques pendant que dans le four micro-ondes, on a un gâteau chocolat moelleux en train de cuire au micro-ondes. Ah, je suis énervée, c'est la première fois que je fais des biscuits de Pâques, c'est la première fois que j'arrive à avoir assez confiance en moi pour oser faire des biscuits maison. Donc, je suis toute énervée et ça, c'est grâce à la merveilleuse Marie-Pierre qui me donne des recettes et des trucs pour utiliser les bons outils de travail. OK, on y va. Premièrement, ça me prend 3/4 de tasse de beurre ramolli. Ben, je l'ai déjà fait ramollir et j'ai clairement un problème pour ramollir mon beurre parce que c'est complètement fondu. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Ça me prend aussi 3/4 de tasse de cassonade, 1/4 de tasse de sucre, un œuf, 2 cuillères à thé d'essence de vanille. Ouh, je suis trop excitée! On respire pour ce cas. Ça me prend 2 tasses de farine, 2 cuillères à thé de fécule de maïs, 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude, 1/4 de cuillère à thé de sel, 1 tasse et demie de chocolat en forme de coco de Pâques. Et c'est tout! Donc, voilà. On commence comment? OK, dans un bol, on mélange le beurre. Alors, je mets le beurre dans mon bol que j'ai fait fondre dans ma tasse à mesurer. Alors, je mets mon beurre. Ensuite, j'ajoute la cassonade. La cassonade, c'était 3/4 de tasse. Où est ma cassonade? Mes petits plats sont merveilleux. Ah, sont là. Les gammes d'ingrédients, je les adore. J'en jette plus. Hey, avant, là, je mettais de la farine, ma farine dans son sac, dans l'armoire, la cassonade aussi. Ça devenait tout sec, sec, sec. Ça prenait de la place. Je l'oubliais dans le fond sans voir qu'il en restait. Puis finalement, ben, il y en avait plus sur mes tablettes que dans le sac. Donc, on a dit un 3/4 de tasse. Je vais venir chercher la bonne cuillère. C'est celle-là. Donc, 3/4 de tasse que je remplis comme il faut. Et voilà. Donc, on va venir mettre 3/4 de tasse ici. Ensuite, avec... Là, je vais mélanger un petit peu. Où est-ce que j'ai mis? Ah, elle est ici. Voilà, elle est ici. Je viens de l'utiliser pour faire un gâteau. Après, j'en ai un autre, je vais utiliser l'autre. Ça va être plus rapide, je ne vais pas vous faire attendre. Donc, je vais mélanger ma cassonade. Ah! On mélange, on mélange. OK. Voilà. Il faudrait que j'invente une chanson pour mélanger. Mais là, j'ai pas d'idée qui me vient. Mais il me semble que ça serait le fun d'avoir une chanson du mélangeur. OK. Ensuite, on rajoute l'œuf. J'ai mon coco ici. Oh! Je suis forte pour casser des cocos. On mélange. Ensuite, on avait dit l'essence de vanille. Oh, ça sent bon ça! Ça sent bon! L'essence de vanille, on avait dit 2 cuillères à thé. Il me semble que c'est beaucoup. 2 cuillères à thé. J'ai le goût d'y aller à l'œil. Est-ce qu'on est game? Est-ce qu'on y va à l'œil? Je l'ouvre. Elle est neuve. La bouteille est neuve. OK, on y va aller. OK, c'est assez, moi, je trouve. Encore une fois. OK. J'espère que ça va être... Oh, j'ai échappé le petit papier dedans. Oh là là! Je vais le mettre juste ici. OK, on mélange. On mélange. OK, ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Il faut prendre un autre bol avec les ingrédients secs. Fait que là, toi, à ton tour! As-tu entendu? Il reste 5 minutes.
on va attendre un autre 5 minutes avant de regarder notre gâteau moelleux au chocolat. Donc, je vais mettre mes ingrédients secs dans mon bol. C'est quoi mes ingrédients secs déjà? 2 tasses de farine. Ici, j'ai ma tasse. Celle-là, je vais la mettre là. Farine. Et voilà. Après, ben voyons, où sont mes ingrédients? OK. 2 cuillères à thé de fécule de maïs. 2 cuillères à thé de fécule de maïs. Où est ma fécule? Elle est là. Je suis comme certaine que j'ai... Ouais, ça doit être ça. Non, je ne prends pas de chance. Je vais prendre une cuillère ici. Oh, que je ne suis pas certaine non plus. Bon, OK, on y va. 2 cuillères à thé de fécule de maïs. Du fécule de maïs, là, c'est pas du blé d'Inde. C'est une petite poudre blanche aussi. Maïs, mais c'est pas vraiment du maïs. OK, ensuite, une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Chez nous, on appelle ça de la petite vache. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça. Est-ce que tu appelles ça comme ça, toi? Bicarbonate de soude, la petite vache. Quand je cherchais la petite vache à l'épicerie, je ne l'ai pas trouvée. OK, ensuite, un quart de cuillère à thé de sel, ça aussi, on va y aller à l'œil. Je pense que c'est assez. C'est même beaucoup, je pense. J'espère que ça ne sera pas trop salé. OK, et là, il faut que je les mélange ensemble. Oh! Alors, je prends mes ingrédients liquides. Là, je pourrais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Bon. Tu vois ici, ça, c'est mes ingrédients. Attends. Je vais vraiment prendre mon portable parce que sinon, je vais faire des dégâts. Donc ça, les ingrédients liquides. Et ça, ben, c'est les ingrédients secs. Et là, maintenant, on va venir les mettre un petit peu ensemble. Ah ah! Ben, un petit peu, tranquillement, pas vite, pour tout les mettre à un moment donné. Un petit peu. On brasse. On mélange. À moins que je fasse une danse du mélange. On mélange. Oh oui, ça sent bien. Super. On mélange. Oh, ça ressemble à du pudding. OK. Et ensuite, on met le reste. Voilà. On mélange. Et là, je vais venir chercher après ça mes chocolats. Ils sont quand même gros, alors je pense que je vais les casser un petit peu dans mon Supersonic. Connais-tu Supersonic? Je vais te le présenter si tu ne le connais pas. Ah, ça sent tellement bon. OK, on met ça de côté. Je vais te présenter Monsieur Supersonic. Le voilà, merveilleux. Ça va m'aider à couper. J'ai acheté des mini-eggs. On va en mettre. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, je pense. Juste un petit peu. Et voilà. Bon. J'ai lavé mon Supersonic. Parce que mon mari l'a utilisé tantôt. Là, je vais le remonter. Attendez un petit peu. J'étais pas dans le bon trou. J'étais pas dans le bon trou. Et là, pourquoi qu'il marche pas là? OK, on l'a. Et voilà. Comme ça. Et là, je vais venir, attention à tes oreilles, je vais venir le casser un petit peu. OK.
vraiment difficiles à casser, ceux-là. C'est des gros œufs au chocolat. Ça n'a pas super bien fonctionné. On va les mettre comme ça. De toute façon, ils vont cuire. Et ils vont fondre. Alors, voilà. J'aurais été mieux avec des M&M. Les M&M, c'est sûr que ça aurait fonctionné. Mais là, ça va quand même faire de la couleur parce que la couleur qu'il y avait sur mon chocolat, elle a cassé, elle. Donc, ça va faire de la belle couleur. Je pense. On essaie. On essaie. OK. Donc, voilà. Tout ça est mélangé. Je vais me faire de la face ici. Parce que là, je veux te montrer mon nouvel outil de travail. Bon. Là, OK. Ça, c'est bon. Je vais partir mon four. 350. On le préchauffe. Et voilà. Je viens prendre ma plaque en silicone. Je ne sais pas si tu vois dessus, mais il y a déjà des petits ronds. Des petits ronds qui t'indiquent où mettre tes petits ronds pour tes biscuits. C'est merveilleux. Ça, je vais le laisser de côté. Mes enfants vont aimer le licher. OK. Là, je vais prendre... Ah oui. Ah oui. Oui. Oui, je vais prendre ça. Alors, sauf que je vais enlever le gros, le petit, puis je vais mettre le moyen. Ça, c'est une cuillère. C'est une cuillère pour faire des boules pour mes biscuits. Et ça vient avec trois grosseurs de cuillère. Tu les vois? Trois grosseurs différentes. Et puis, moi, j'ai pris la moyenne. Donc, on va faire des biscuits pour ça en moyen, qu'on va venir déposer dans ma plaque en silicone. Comme ça. Et là, je pèse sur mon piton. Ça tombe. Pas de salissage de main. Comme ça. Et voilà. Oh, il y a du chocolat dans celui-là. Et voilà. J'essaie de les faire quand même espacer pour pas qu'ils se rejoignent tous en cuisant. Hop! On va descendre celle-là. Mes biscuits sont un petit peu mous. Ils gardent pas la forme de mon rond. Mais je sais que quand tes biscuits sont un petit peu moins mous, ils gardent la forme. C'est merveilleux, hein? Mais moi, c'est mon premier test. J'essaie des choses pour vous, moi, pour Marie-Pierre. On verra bien. Marie-Pierre, cette semaine aussi, avec ses amis de la garderie, elle m'a dit qu'elle prendrait ses cuillères et qu'elle ferait des boules de melon d'eau. J'ai hâte de voir ça. Je suis sûre qu'elle va vous le montrer. Voilà. Oh oui, aussi, il y a beaucoup de chocolat dedans. Voilà. Voilà. Il m'en reste encore un petit peu. Voilà. Voilà. J'aurais pu faire des biscuits de différentes grosseurs aussi. Des plus petits, des plus gros. Voilà. Un dernier, comme ça, que je vais venir mettre, tiens, ici, comme ça. Et là, je ne sais pas si tu le vois bien. Ah oh oui, tu le vois quand même, hein? Je vais venir prendre, je vais venir changer l'embout de la cuillère, OK? Ouais. Là, je vais me salir les doigts. Comme ça. Et je vais venir prendre le plus petit. Comme ça. Et là, je vais venir juste faire des petits ronds dans le milieu. Juste peser un petit peu dans le milieu de mes biscuits. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais c'est parce que j'aimerais ça me faire... Ah, ça ne marche pas bien. Là. Mes biscuits sont trop liquides.
on va peut-être, on va réessayer quand ils vont être moins. Je vais attendre, je vais les faire cuire comme ça. Et quand ils vont être cuits, mais encore un peu mou, chaud, je vais venir faire des petits trous dans le milieu de mes biscuits avec ma cuillère. Puis on va pouvoir mettre des gros œufs dessus dans les mini trous. C'est merveilleux, hein? Donc voilà, je vais aller mettre ça au four 9 à 10 minutes et on se revoit après! Salut! C'est encore moi! Écoute, je viens de sortir mon gâteau moelleux chocolat du four micro-ondes. Il a l'air parfait. Regarde ça. OK, il a l'air un petit peu grillé, là, mais pas brûlé. Donc, là, ce qu'on va faire, on va le démouler ensemble, puis je vais écouter devant toi. J'espère que c'est bon, parce que sinon, tu vas le voir dans mon visage. OK. Je suis comme pris dans ma serviette. J'aurais pu prendre aussi des mitaines à four, hein? Ça aurait été une bonne idée. Je vais venir prendre une assiette que je vais venir mettre par-dessus mon micro-grill avec ma serviette parce que c'est encore très, très chaud. Et je vais venir le tourner comme ça, sans dégâts. Je vais venir enlever le micro-grill. Wow! Oh là là! J'aurais peut-être dû le mettre moins que 12 minutes. Voilà! Voilà mon gâteau que je vais goûter. On va se faire... C'était peut-être trop 12 minutes. Il est quand même pas pire grillé en dessous. Tu le sauras, toi, quand tu vas le faire, de le mettre un peu moins. Et voilà. Il y a une couleur quand même pâle aussi. Je ne sais pas si j'aurais dû mettre plus de chocolat. Regarde ça. Comment ici? Alors, goûtons. C'est vraiment, vraiment très bon pour vrai. Wow! J'ai fait un gâteau micro-ondes! Tu devrais essayer. C'est vraiment délicieux. Oh! Délicieux. On se revoit tantôt quand les biscuits ont fini de cuire. À tout! C'est bon. C'est vraiment très bon. Les enfants, y en a-tu qui veulent du gâteau? Et voilà le résultat final des biscuits. Encore tout chaud. J'ai juste rajouté... Attendez, je vais les déposer avant toutes les échappées par terre. Voilà. Donc, j'ai juste... creuser un petit peu avec ma cuillère pour faire un trou dedans un petit peu. Puis j'ai rajouté les petits cocos en chocolat. Voilà, je pense que j'aurais probablement été mieux de prendre la petite cuillère pour faire mes boules. Comme ça, mes biscuits ne seraient pas tous collés ensemble à la fin. Mais, savez-vous quoi? Mon gâteau, là, c'est peut-être pas le plus beau parce qu'il est un petit peu trop cuit. Un petit peu trop cuit. Mes biscuits, ils sont pas parfaits non plus. Mais savez-vous quoi? Ils sont faits avec plein d'amour, ils sont super bons. Puis c'est pas tout le monde qui sont super bons en cuisine. Puis moi, ben ça me sort vraiment ma zone de confort. Puis ma Pierskis est bonne là-dedans, me sortir de ma zone de confort. Mais je suis vraiment contente de vous montrer ça parce que mes enfants, là, ils vont être super contents de les manger. Puis des fois, là, c'est pas toujours... beau comme sur les pages dans une revue, dans un catalogue, hein? Mais c'est toujours aussi bon. OK, peut-être pas toujours. Mais toi, là, est-ce que tu fais des belles présentations? Est-ce que tu es meilleure que moi? C'est dur à battre, hein? Mais c'est quand même pas si pire, mon affaire. Hein? Je suis attachante. Hey, bonne soirée, puis je vous souhaite plein de bons gâteaux puis plein de bons biscuits pour Pâques. Et on se revoit très bientôt dans un autre capsule.